Bonjour à chacune et à chacun, bienvenue sur ce nouveau partage où nous allons ensemble partager la parole de Dieu. Et vraiment, nous voulons partager ce que Dieu veut nous dire. Je vais moi-même vous partager ce que Dieu a mis sur mon cœur pour chacun d'entre nous. Et croyez-le, aujourd'hui le Seigneur veut nous parler. Et ce que nous partageons, ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est ce que Dieu veut nous dire au travers de sa parole. Alors soyons-en conscients avant que nous puissions entrer là dans ce message, que déjà nous puissions voir que Dieu veut nous parler. Alors ouvrons ensemble la parole de Dieu et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui est Jésus libère de la condamnation. C'est vrai, nous sommes condamnés, c'est ce que nous allons voir, c'est ce que la parole dit, mais elle nous dit aussi qu'il y a une parole d'espérance, c'est que Jésus libère aujourd'hui tous ceux qui sont sous la condamnation. Nous allons donc lire un texte qui se trouve dans l'Épître aux Romains, au chapitre 7 et au verset 14, et c'est l'apôtre Paul donc, qui va parler à l'église de Rome et à nous en même temps. Et dans ce texte, eh bien, il va faire une sorte de bilan de ses luttes, de ses combats, et il va nous amener à voir vraiment l'expérience que lui-même a faite pour que nous puissions nous-mêmes la faire, cette expérience, de voir que Jésus libère finalement de la condamnation. Alors nous lisons ensemble Romains 7, verset 14. Il est écrit « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, donc c'est l'apôtre Paul qui dit, je suis charnel vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais et je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi, donc la loi de Dieu, est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. » Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Donc vous voyez, il veut faire le bien, mais il n'y arrive pas. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. Et il répète une deuxième fois cette phrase, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres, donc dans mon corps, une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif, prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Et là, à ce moment-là, après ce bilan, l'apôtre Paul va s'écrier « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Grâce soit rendu à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis, par l'entendement, esclave de la loi de Dieu, et je suis, par la chair, esclave de la loi du péché. Et il finit finalement ce texte en disant, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Amen. Et nous allons ensemble au verset 32, où l'apôtre Paul ajoute, donc c'est dans la suite de ce texte, il dit, « Dieu qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Amen. » On voit donc là, dans ce texte, le bilan, comme je vous disais, que l'apôtre Paul fait de ses luttes, de ses combats. Et ce texte nous met d'abord face là à un problème universel, un problème finalement qui nous touche tous, qui m'a touché moi, qui touche chacun d'entre vous là qui sont derrière votre écran. Ce que l'apôtre explique en fait ici, c'est que le péché est naturel pour l'homme. C'est que l'homme finalement est naturellement tourné vers le péché. Il suffit de regarder un enfant en très bas âge, déjà les bébés même, avant même de savoir distinguer vraiment les choses, ils sont déjà tournés vers le mal. On n'apprend jamais à un enfant à mentir. Pourtant, il le fait naturellement. On n'apprend jamais à un enfant à parler mal ou à finalement entrer dans une colère. Pourtant, il le fait naturellement. C'est que l'homme est naturellement tourné vers le péché. L'homme a beau essayer même de s'en sortir par ses propres moyens. C'est là ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, je veux faire le bien, mais je n'y arrive pas. J'ai la volonté, mais non le pouvoir. Et il dit, l'homme peut essayer de s'en sortir par ses propres moyens face à ce péché, mais rien n'y fait finalement, il sera toujours tenu esclave de ce péché. L'apôtre avait dit un peu avant dans son épître aux Romains,
au chapitre 3, nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Là, il parle finalement d'une soumission au péché. Il dit que tous sont esclaves du péché, tous sont sous l'empire du péché. Donc là, vous voyez qu'on parle bien d'un esclavage que le péché produit sur l'homme. C'est sans doute quelque chose que vous-même vous vivez aujourd'hui. Vous essayez de faire le bien, mais vous n'y arrivez pas. À chaque fois, vous êtes esclave du péché. Vous commencez à vous en sortir et puis là, vous retombez. C'est vrai que ce péché touche chaque être humain. Paul met même tout le monde au même niveau. Là, il parle des Juifs et des Grecs. Il nous montre que les Juifs sont touchés par le péché, alors qu'ils sont le peuple élu de Dieu. Ils sont ceux que Dieu a choisis pour partager finalement la loi au monde, à l'origine. Mais vous voyez que c'est pourtant les Juifs sont touchés par le péché. Il nous parle des Grecs aussi, qui représentent les païens, tous ceux qui sont loin de Dieu, ceux qui n'ont même pas reçu l'enseignement de la parole de Dieu. Et il dit que eux aussi, tout comme les Juifs finalement, au même niveau, sont touchés par le péché. Personne ne peut dire qu'il n'est plus esclave du péché, par ses propres moyens en tout cas. Mais il y a une bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'on peut dire qu'on n'est plus esclave du péché quand Jésus nous libère. On ne peut pas le dire si Jésus ne nous a pas libérés. Mais si Jésus intervient dans notre vie, si nous-mêmes nous nous tournons vers Jésus, eh bien nous pouvons connaître la vraie liberté. Ce péché est donc quelque chose qui nous tient vraiment en esclavage. On pourrait imaginer ce péché avec des chaînes là qui nous tiennent prisonniers. C'est des chaînes qui vraiment nous tiennent là et nous empêchent d'agir finalement. On a la volonté mais on n'y arrive pas. On veut s'en sortir mais on ne peut pas le faire, ça nous tient trop enchaînés. Et on a besoin de quelqu'un pour nous en sortir. On voit qu'on pourrait même utiliser toutes sortes de moyens pour briser ces chaînes. On pourrait même demander à des amis, à quelqu'un qui peut-être est autour de nous. Mais ces chaînes qui sont spirituelles, donc que le péché, la façon dont le péché agit, eh bien seul Jésus peut les briser. Seul Jésus finalement peut nous apporter cette liberté. Il y a donc sans cesse en nous, peut-être en vous, là vous le vivez en ce moment, cette volonté de faire le bien, mais par la nature pécheresse qui est là, par la nature tournée sans cesse vers le mal, eh bien, on est sans cesse attiré par le péché. Sans cesse, finalement, on fait des actions qui sont à l'encontre de notre propre volonté. L'homme, finalement, est capable de faire le bien. On voit toutes sortes d'hommes et de femmes qui ont fait des choses admirables sur cette terre. Des gens qui ont aidé leurs prochains, qui ont aidé les pauvres, ceux qui étaient démunis. Ils ont fait le bien. Mais malheureusement, aujourd'hui, on peut le réaliser aussi, c'est ce que la Bible nous dit, c'est que toutes nos bonnes actions, quelles qu'elles soient, même les meilleures, eh bien, ne viendront jamais régler le problème du péché aujourd'hui. On peut être le meilleur des hommes, on peut faire toutes sortes d'actes de bonté, mais ces actes de bonté, même les meilleurs, ne régleront jamais le problème du péché. Alors on peut revenir à l'apôtre Paul, et face à cette opposition constante, il va finalement y avoir en lui un cri là qui vient de l'intérieur, un cri de l'âme, un cri qui ressort, tellement il est démuni finalement. C'est comme un cri de désespoir, un cri d'angoisse face finalement à cette lutte qu'il y a en lui. Et il va alors dire dans Romains 7 au verset 24, « Misérable que je suis, misérable que je suis. » Et il va s'écrier, « Mais qui me délivrera du corps de cette mort ? Qui me délivrera ? Qui peut vous délivrer aujourd'hui ? Est-ce qu'un homme peut vous délivrer ? Est-ce qu'un juge peut vous apporter finalement la liberté pour l'éternité ? Est-ce que quelqu'un de votre famille, un riche ou quelqu'un sur cette terre, est-ce que quelqu'un peut vous apporter la liberté ? Eh bien, on peut peut-être parfois avoir une sorte d'espoir, mais à chaque fois, eh bien, au final, on se retrouvera à dire « misérable que je suis ». Qui me délivrera du corps de cette mort ? Si on met notre espoir dans l'être humain, on sera sans cesse déçu. Mais aujourd'hui, ne mettez pas votre espoir dans un homme, dans quelqu'un sur cette terre qui peut vous délivrer, qui promet la délivrance, mais mettez votre espoir en Jésus. En Jésus qui lui-même est venu apporter la liberté. Et c'est ce que l'apôtre Paul avait expérimenté. L'apôtre Paul avait dit « Qui me délivrera du corps de cette mort ?» Mais
il savait et il avait vécu que seul Jésus-Christ peut délivrer du corps de cette mort. Paul lui-même, avant sa conversion, était véritablement dans cette condition. Il était quelqu'un d'érudit, quelqu'un de reconnu parmi les Juifs même. Il était quelqu'un qui était très intelligent même, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. C'était un enseignant de la parole de Dieu. Et pourtant, il faisait des choses vraiment mal aux yeux de Dieu. Il nous est dit que c'était un persécuteur de l'Église. Et dans Acte 9, au verset 1er, il nous est dit, en parlant de Paul, donc il était encore appelé Saul de Tarse à cette époque-là, avant sa conversion, il nous est dit « Seul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. » Vous voyez que Saul de Tarse, celui qui allait devenir l'apôtre Paul, était quelqu'un qui respirait la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Parce que lui, eh bien, c'était ce qu'il faisait de sa vie là, à ce moment-là. C'était vraiment de persécuter l'Église, c'était de mettre à mort les chrétiens, parce qu'il n'était pas d'accord, parce qu'il ne reconnaissait pas encore Jésus comme le Messie, comme celui qui était envoyé de Dieu. Mais un jour, Jésus-Christ va se révéler à lui. Un jour, Jésus va se révéler et ça va tout changer pour l'apôtre Paul. Alors, Paul va changer de vie. Quand il va rencontrer Jésus-Christ, il ne va plus être un persécuteur de l'Église, un persécuteur des chrétiens, mais il va devenir l'apôtre Paul, un enseignant à la gloire de Dieu, celui que Dieu voulait finalement, au final. Jésus a transformé sa vie. Et il peut le faire encore pour vous. Jésus l'a libéré de ce péché. Et il peut le faire pour vous aujourd'hui. Il peut vous libérer de ce péché. La Bible nous dit vraiment que Jésus est venu pour chacun d'entre nous. Il est venu non pas pour faire plaisir aux autres, pour montrer qui il est ou pour montrer juste des miracles, mais il est venu libérer les captifs sur cette terre. C'est ce que la Bible nous dit dans ce texte que Ésaïe lui-même a dit avant que Jésus-Christ vienne sur cette terre. Et Jésus va prendre ces paroles pour lui pendant son ministère. Il va dire « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Et retenez bien la suite, il m'a envoyé, c'est Jésus-Christ qui le dit, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Voilà pourquoi Jésus est venu. Il est venu pour toutes ces choses, mais il est venu aussi pour libérer les captifs, pour libérer ceux qui y sont tenus prisonniers par le péché. L'apôtre Paul avait expérimenté cela. Il avait expérimenté que Jésus était vraiment le libérateur, celui qui pouvait délivrer. Et alors, nous avons lu tout à l'heure ce cri de désespoir, « Qui me délivrera du corps de cette mort ?» Mais il ne s'est pas arrêté là, l'apôtre Paul, parce qu'il avait vécu quelque chose d'incroyable avec le Seigneur. Alors, il put suivre un cri de désespoir, d'angoisse finalement, par un cri de victoire, un cri de triomphe finalement. Et il va dire, au verset 25 de Romains 7, « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Là, il réfléchit et il se dit, mais finalement, la solution est en Christ. Alors il dit, grâce soit rendue à Dieu soit la gloire. Et il va suivre ses paroles par cette grande vérité que chacun d'entre nous, nous devons saisir aujourd'hui. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Il n'y a plus de condamnation aujourd'hui. Voilà une bonne nouvelle qui doit nous réjouir. Il n'y a plus d'espoir si on est là, sur cette terre, en se confiant en l'homme. Mais Jésus est venu donner de l'espoir. Et alors, nous pouvons dire avec assurance que c'est lui qui délivre aujourd'hui. Et c'est lui qui peut vous délivrer de votre nature pécheresse. La Bible dit encore, dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, elle dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Amen. Les choses anciennes sont passées. Quand Christ entre dans une vie, quand Christ intervient dans une vie, quand une personne se tourne vers le Seigneur, eh bien, il devient une nouvelle création. Il devient une nouvelle création et alors, quel que soit notre passé, quel que soit le mal que nous ayons commis dans le passé, eh bien, Christ nous dit, eh bien, j'efface tout. Tout est effacé. Et tu peux vivre une nouvelle vie maintenant. Tu peux être cette nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et vous pouvez le vivre aujourd'hui. Quels que soient les péchés que vous avez commis, même les plus terribles, même si parfois, eh bien, vous avez fait des choses qui déplaisent à Dieu et vous le savez. Eh bien, Dieu vous dit, si vous tournez vers moi, vous pouvez devenir une nouvelle création et alors
les choses anciennes sont passées. Jésus a payé notre liberté. On pourrait prendre l'image d'un prisonnier, là, qui est gardé en prison pour ses crimes, ce qui est normal, hein, au final. Mais ce prisonnier a une rançon sur sa vie. Il peut sortir de prison, mais il faut qu'il paye une rançon. Alors, personne ne peut payer la rançon. Mais un jour, un homme vient dans la vie de ce prisonnier. Et alors, cet homme paye la rançon. Finalement, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Jésus est venu, il y avait une rançon sur nos vies. Le péché qui est là agit comme une dette, finalement, que nous ne pouvons pas payer. Mais Jésus est venu payer le prix. Jésus est mort à la croix. Et c'est là qu'il a payé le prix. Il a dit à la croix, il a dit « Tout est payé, tout est accompli. » C'est fini finalement, parce que son sang a coulé. Son sang a coulé pour vous, alors il a payé le prix pour que nous puissions avoir la liberté. Jésus le dit lui-même, il dit « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Ce n'est pas une fausse liberté, mais c'est la vraie liberté, une liberté éternelle que l'on trouve en Jésus-Christ, parce qu'il a payé le prix à la croix. Nous avons donc lu dans Romains 8 au chapitre 1er, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est là un cri de victoire pour nous, un cri d'espérance. Et arrêtons-nous un instant sur ce mot « maintenant ». Jésus est mort à la croix pour nous et la liberté est disponible, mais il nous dit « maintenant, il faut que tu prennes une décision ». C'est maintenant, ce n'est pas pour demain, ce n'est pas l'année prochaine ou ce n'est pas pendant 10 ans. Mais c'est aujourd'hui qu'il faut suivre le Seigneur. La Bible nous dit encore, c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui. Alors, Jésus nous invite encore aujourd'hui à croire en lui, à goûter à la grâce de Dieu et à goûter aussi à la vie éternelle qu'il vous offre gratuitement aujourd'hui. Vous savez, la Bible nous dit aussi que Jésus revient bientôt. Nous ne savons pas quand Jésus revient. Nous ne savons pas la date. Personne ne le sait. Mais Jésus nous dit « Je reviens bientôt ». Il dit « Eh bien, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Parce que c'est aujourd'hui qu'il faut se préparer. Nous ne savons pas si Jésus revient là maintenant. Jésus peut revenir maintenant, Jésus peut revenir demain. Mais quand il reviendra, il faut être prêt. Parce que tous nous passerons devant le tribunal de Dieu. Eh bien, ceux qui seront restés dans leur péché, ceux qui ne seront pas passés par la repentance, seront jetés dans l'étang de feu. C'est ce que la Bible nous dit. Dans les temps de feu qui étaient préparés à l'origine pour le diable et ses démons. Mais les réprouvés, ceux qui ont rejeté Dieu, seront aussi jetés dans les temps de feu. Alors c'est maintenant. Si Jésus revient, il faut être prêt pour son retour. Jésus ne remet pas plus tard cette liberté. Il dit qu'elle est disponible maintenant. Alors saisissons-la pleinement aujourd'hui. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, là, il nous est parlé de ceux qui sont en Jésus-Christ, qui peuvent vraiment vivre la véritable liberté. Rapidement, on va voir ce que ça veut dire d'être en Jésus-Christ. Parce qu'on peut se dire, mais moi, je veux connaître la liberté, je veux ne plus connaître la condamnation. Mais il faut être en Jésus-Christ. Être en Jésus-Christ, c'est vraiment être uni à lui, être uni à Jésus. Il faut alors lui appartenir, c'est la première chose à faire. Lui appartenir en l'acceptant d'abord comme sauveur personnel, en acceptant la volonté, la bonne nouvelle, pardon, de notre acquittement en Jésus-Christ. Il faut l'accepter comme sauveur personnel aujourd'hui. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va l'accepter pour vous, mais c'est à vous personnellement de l'accepter comme sauveur. Jésus veut vous sauver. Jésus a payé la dette. Jésus est mort à la croix. Jésus est vivant aujourd'hui. Et alors c'est à vous d'accepter personnellement Jésus comme sauveur. Mais c'est l'accepter aussi comme Seigneur. C'est-à-dire que le Seigneur, ce n'est plus le monde qui était là, finalement, qui vous tenait esclave de ce péché. Mais le Seigneur, maintenant, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui devient le maître de votre vie, finalement. C'est ça, l'accepter comme Seigneur. C'est faire de lui le maître de notre vie. C'est dire, je ne veux plus vivre dans ce péché-là, mais je veux vivre à la suite de Jésus. Uni à Jésus-Christ, c'est placer notre foi en lui. C'est vivre la repentance aussi. La repentance, c'est abandonner son péché pour suivre Jésus-Christ. C'est ne plus retourner sans cesse à son péché. Et uni à Jésus-Christ, c'est faire ce que lui désire et que nos vies soient en accord avec sa volonté. C'est ça, être uni à Jésus-Christ. Notons aussi que
plus de condamnation ne veut pas dire que l'on ne pêche plus et qu'on ne fait plus rien de condamnable finalement. Parce que ça arrive de retomber. Ça arrive de tomber dans le péché, dans la marche chrétienne. Mais ce qui compte, c'est de se relever avec le Seigneur. C'est de revenir au pied du Seigneur. Et c'est lui qui viendra nous relever. C'est lui qui nous fera reprendre la marche. Si vous êtes tombé, si vous êtes dans le péché, eh bien revenez à Jésus-Christ. Et alors il vous relèvera. Venez repentant, demandant pardon sincèrement à Jésus. Et alors il vous relèvera. Et vous pourrez reprendre la marche avec lui. Souvent, on demande à ceux qui sont condamnés à mort leur dernière volonté. En tout cas, quand il y avait encore la condamnation à mort. Certains exprimaient leur regret d'avoir manqué de faire les bons choix pour leur vie. Certains exprimaient parfois leur regret d'avoir blessé certaines personnes par les crimes qu'ils ont commis, par le mal qu'ils ont commis. Mais quand on regarde cela, on doit se dire, eh bien, qu'il n'y ait pas de regret en nous. Qu'il n'y ait pas de regret en nous quand Jésus reviendra. Quand Jésus reviendra, ceux qui cherchaient, ceux qui ont décidé de le suivre, eh bien, tous se retrouveront devant le tribunal de Dieu. Et sans doute que certains vont exprimer des regrets de ne pas avoir fait le bon choix plutôt de suivre le Seigneur. Certains vont dire sans doute, si j'avais su que ce qu'on m'avait raconté était vrai, je l'aurais fait, j'aurais choisi, j'aurais suivi Dieu, j'aurais demandé pardon pour mes péchés. Mais qu'il n'y ait pas de regrets en nous. La Bible nous dit que quand il reviendra, eh bien certains seront confus, certains auront des regrets, certains finalement seront déçus même, parce qu'ils auront vu qu'ils auront fait le mauvais choix. Mais aujourd'hui, c'est Jésus-Christ qu'il faut choisir. Enfin, nous pouvons voir que Paul montre que quand on accepte cette liberté, alors tout est transformé par Jésus-Christ. On a lu le véritable changement qui se produit lorsque Paul dit au début « Qui me délivrera du corps de cette mort ?» et qu'il va dire, donc dans le chapitre 8, qu'il n'y a plus de condamnation. Et à la fin, il va dire « Qui me condamnera ?» C'est une parole d'assurance. Il va dire avant « Qui me délivrera ?» mais maintenant il dit « Qui me condamnera ?» Et nous pouvons le relire dans Romains 8, 33 et 34, où il dit « Qui accusera les élus de Dieu ?» Donc c'est ceux qui ont placé leur foi en Jésus, en Dieu. Mais il va dire « C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ?» Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Nous aussi, si nous choisissons Jésus-Christ, si nous vivons à sa suite, si nous le choisissons comme sauveur, comme Seigneur, eh bien nous pouvons dire avec assurance « Qui me condamnera ?» Parce qu'il n'y a plus de condamnation en Jésus-Christ, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Personne ne peut nous accuser, même si le diable, l'accusateur de nos âmes, cherche à nous accuser. Personne ne peut nous accuser parce que Jésus-Christ est notre avocat auprès du Père. Il est vivant aujourd'hui. Nous l'avons lu à l'instant, il est vivant aujourd'hui. Il a vaincu la mort à la croix. Alors, il intercède pour nous. Il est notre avocat auprès du Père. Et il peut être votre avocat aussi. Et vous pouvez connaître la vraie liberté en lui. Alors, nous pouvons vivre cette ferme assurance, saisir par la foi cette parole encore aujourd'hui. Et que chacun d'entre vous, d'entre nous, nous puissions le vivre. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour la liberté que tu nous offres. Merci parce que tu as payé le prix à la croix, Seigneur. Merci parce que tu as tout payé pour nous. Ton sang a coulé pour nous. Tu as souffert jusqu'à mourir sur la croix parce que tu nous aimais de cet amour immense et parce que tu voulais nous sauver, nous apporter de la liberté. Et je veux te prier, Seigneur Jésus, que tu puisses encore te révéler encore à une âme aujourd'hui, à plusieurs aujourd'hui, et qu'un grand nombre soit sauvé au travers de ce que tu as fait à la croix pour eux. Merci mon Dieu parce que nous pouvons dire avec assurance, je peux le dire pour moi, il n'y a plus de condamnation. Qui me condamnera ? Personne. Parce que tu m'as sauvé, parce que tu m'as justifié. Merci mon Dieu parce que tu es grand. Et merci pour cette œuvre que tu as fait pour nous. Alors que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Et merci pour ta parole Seigneur. Amen. Je vois ses mains, ses pieds.
Personne.